en personne. Évidemment, oui. On l'avait annoncé, mais ça a quand même nécessité. On ne s'est pas présenté aujourd'hui, Bing Bang. Quelles sont les mesures et à quel point ces mesures-là vont demeurer en place pour encore un long temps, particulièrement pour les citoyens? Notre première responsabilité, c'est de s'assurer du respect des mesures sanitaires. Et moi, comme président du Conseil, j'ai la responsabilité de faire ces rappels-là, non seulement auprès de mes collègues, mais aussi auprès des citoyens qui vont venir intervenir. Je l'ai fait ce matin dans le cadre de la séance publique du caucus préparatoire, cet après-midi, en fait, dans le cadre du caucus préparatoire. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ajuster au fur et à mesure que les mesures évoluent. C'est-à-dire que si on se retrouve dans une situation de quatrième vague qui nous amène à un point où est-ce qu'on doit retourner, par exemple, via Zoom ou quoi que ce soit, bien, on le fera. On consulte la santé publique en Outaouais aussi à savoir est-ce que les mesures qu'on met en place sont conformes. On s'assure de la distanciation physique des élus. Vous l'avez vu, on est à 2 mètres. On porte le masque dès qu'on se lève. Donc, moi, je suis très, très confiant qu'on va être capable de demeurer en personne. Mais ceci dit, s'il faut s'ajuster, on le fera. Merci.